Yo la famille, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de 5 astuces pour réussir ses études en informatique. On sait tous que c'est dur, les études en informatique. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mes 5 astuces que moi, j'utilise pour mieux réussir mes cours et moins stresser pendant mes études. Si c'est quelque chose qui te plaît, reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que la 5e astuce est de loin la plus importante. C'est la base, c'est la formule magique. Donc sans plus tarder, on va parler de la première astuce pour bien réussir ses études en informatique. Et ça, c'est une question de mentalité, c'est une question de mindset. Et ça, j'ai nommé soit un ingénieur et pas un codeur. Alors, c'est quoi la différence entre un ingénieur et un codeur? C'est deux personnes différentes qui voient les choses de manière différente, ok? Un ingénieur, lui, il voit plus les outils informatiques comme les langages de programmation, les différents frameworks, les différentes librairies. Il les voit plus comme des outils qui lui permettent de trouver des solutions à des problèmes, à certains problèmes. Et le codeur, lui, il connaît que le code, il voit que le code. Et là, je vais t'expliquer en fait c'est quoi la différence, comment tu peux adopter ça, comment tu peux implémenter ça dans ta façon de penser, dans ta façon de voir le code. Il faut que tu te concentres plus en fait sur comment le code fonctionne, pourquoi il fonctionne de la manière dont il fonctionne et non sur juste le code en tant que tel. On sait tous que tu peux copier une partie de code sur Internet, le coller dans ton programme et faire fonctionner ton programme comme tu le souhaites, mais sans pour autant comprendre en fait comment est-ce que ce code exécute pour donner le résultat que ça donne. Et c'est ça qui va te permettre en fait d'avancer dans ton apprentissage sans être submergé par les milliers et milliers de notions qu'il y a en informatique en fait. L'ingénieur, il voit plus toutes ces notions en fait et ces technologies comme des outils qu'il peut utiliser pour parvenir en fait à un certain résultat. À partir du moment où tu vas faire ce shift d'état d'esprit, ton apprentissage en informatique se fera de façon beaucoup plus facile et tu retiendras beaucoup plus de notions sur le long terme. Deuxième astuce pour réussir ses études en informatique, utilise Google, utilise Internet, mais genre à 120%. C'est la meilleure ressource qui existe. C'est l'outil principal d'un informaticien, d'un programmeur, que ce soit à l'école ou sur le marché du travail. Tu vas toujours utiliser Internet parce qu'en informatique, tu pourras jamais tout retenir. Les technologies en informatique, que ce soit les langages, les frameworks, tout évolue à une grande vitesse. Donc, c'est impossible de tout connaître en fait. C'est impossible. Donc, tu dois savoir faire des recherches. Que ce soit faire des recherches sur Internet, sur les notions que vous allez voir en classe, avant d'aller en classe et même après d'être allé en classe, ça va énormément t'aider. Tu vas voir en fait qu'il y a des gens sur Internet qui vont t'expliquer ça de manière plus facile et plus rapidement. Utiliser Internet, Google, savoir faire des recherches, c'est incontournable. Donc, si tu es plus le genre d'étudiant qui se contente plus de ce que le prof t'apprend, arrête ça dès maintenant parce que ça ne va pas t'amener de gros résultats. Peut-être tu vas avoir de bons résultats en classe, mais après les études, quand il va falloir vraiment prouver sur le marché du travail, non, tu ne peux pas seulement te contenter de ce que le prof t'a appris. La preuve, si seulement ce que le prof t'a appris pouvait te permettre d'obtenir de gros résultats, ton prof ne serait pas prof, tu vois? Il serait pas prof, il serait développeur senior chez Google ou Facebook, ou il aurait, je sais pas moi, tu vois ce que je veux dire. Maintenant, troisième astuce pour réussir ses études en informatique, soit dans un environnement, soit dans un entourage d'informaticiens, soit dans un entourage de personnes qui parlent la même langue que toi. Quand je dis la même langue que toi, je veux dire qu'ils sont aussi des informaticiens, qui sont des étudiants en informatique, qui font du code, des programmeurs, des développeurs, etc., etc. C'est pas seulement le prof et les laboratoires du prof qui vont t'aider à devenir un meilleur codeur, à devenir un meilleur programmeur. Des fois, tu vas rencontrer des problèmes ou tu vas voir certaines choses que tu vas pas comprendre. Tu vas chercher sur Internet, tu vas pas comprendre, il y aura peu de ressources dessus. Mais le fait de parler avec un ami ou un étudiant comme toi qui va t'expliquer dans son langage, en fait, comment il l'a compris, tu vas voir que ça peut être encore 10 000 fois plus facile d'apprendre. Ça va vraiment te faire gagner en temps et en efficacité. Astuce numéro 4 pour réussir ses études en informatique, pose des questions. C'est la source de toute connaissance. Ask. Si tu ne sais pas, demande. Il n'y a aucune autre alternative en fait. Pose toutes les questions qui peuvent te passer par la tête. Même celles que tu penses qui sont les plus bêtes, pose-les. Il n'y a pas de questions bêtes. Si un professeur te fait sentir que ta question est bête, c'est pas un professeur. Sois regarde, c'est pas un professeur, il mérite pas un professeur, il le fait juste pour l'argent. Donc, pose tes questions. Et c'est valable pour tout dans la vie, pas seulement en informatique. Il faut comprendre que les gens ont différentes façons de comprendre, en fait, de processer de l'information. Peut-être quelqu'un peut le comprendre
de la manière A, mais toi, tu vas le comprendre que de la manière B. Donc, la façon de poser vos questions peut être différente, tu vois. Donc, n'hésite jamais à poser des questions. Tu te fais du mal si tu ne poses pas de questions, surtout quand tu payes. Quand tu payes pour de l'information, quand tu vas à l'université et tu payes pour apprendre ce que tu es en train d'apprendre, tu payes pour ton diplôme. Si tu te retiens de poser les questions, tu le fais toi-même en fait. C'est comme si tu dépenses ton argent pour rien, ok? Donc, posez tes questions. N'importe quelle question, il n'y a pas de questions bêtes. Now, la cinquième et dernière astuce pour réussir ses études en informatique, de loin la plus importante, c'est la formule magique. C'est le abracadabra de l'informatique, ok? C'est tout simplement de pratiquer, ok? Pratique, code, assieds-toi sur ton ordinateur, fais-le. C'est la formule magique, c'est la potion magique. Il n'y a aucune autre formule magique qui va te permettre de devenir un meilleur codeur, un meilleur programmeur que ça. Tous les autres que j'ai cités, tu peux les supprimer. Juste prends l'habitude de t'asseoir sur ton ordinateur, coder pendant des heures d'affilée, rencontrer des problèmes, chercher le problème sur Internet, trouver la solution du problème, l'implémenter dans ton code, le faire fonctionner ton code, bam, continuer. Il n'y a pas d'autre alternative. C'est la meilleure approche que tu peux avoir. Et ça, tout le monde est d'accord dessus. Donc, pour toutes les personnes qui sont en train de struggle en ce moment pour leurs études en informatique, je te promets que si tu appliques ces 5 astuces, c'est-à-dire ne pas seulement se concentrer sur le code en tant que tel, mais plus sur comment ce code fonctionne et pourquoi il fonctionne de la manière dont il fonctionne, utiliser Internet pour faire des recherches, traîner et s'entourer de personnes qui parlent le même langage de toi, qui sont aussi des programmeurs, qui sont dans le domaine de l'informatique, poser des questions, chercher, demander quand tu as des questions, quand tu ne comprends pas quelque chose, toujours demander, que ce soit au prof ou à tes amis. Et cinquièmement, et le plus important, faire de la pratique, pratiquer. Tu vas voir que tu vas plus comprendre tout ce que tu apprends et tu vas même peut-être commencer à prendre des projets personnels de côté. Donc c'est tout pour cette vidéo les petits, j'espère qu'en la regardant vous avez une tonne de valeur. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, mettre un petit commentaire, je ferai un plaisir d'y répondre, et de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. C'est Ilibé, on se retrouve pour une prochaine vidéo.